Bonsoir la famille, j'ai une histoire à vous raconter ce soir. Une histoire, je pourrais dire que c'est un conseil. C'est très important, terminez la vidéo. Tout dernièrement, on est sorti avec ma grande soeur et son fils, c'est-à-dire mon neveu. Il a maintenant un an, il a un an quelques mois ou un an et demi. C'est un enfant que j'aime beaucoup, c'est le seul fils de ma grande soeur aînée. Et il a pris un côté de moi, il a les pieds bancales, parce que moi je suis très bancale, pas aussi fort, mais je suis bancale. Donc il a pris ce côté-là de moi. Donc depuis il est petit, je l'aime tellement. Donc on est sorti, on partait acheter quelque chose, et arrivé quelque part, il y a... parce qu'il est tellement beau, que quand on sort, tout le monde s'approche de lui. Oh l'enfant il est mignon parce qu'il est potelé et puis il est bancal. Il est mignon, hein? Il va jouer au foot, il a les pieds d'un footballeur cet enfant, il va jouer au foot. On dit, ah, Dieu merci, il n'a qu'à jouer ballon haut. Il y a un vieux, un monsieur. Tu le voyais, tu savais que c'était... C'est pas loin de dénigrer des Aoussa, hein. C'était un vieux, peut-être je dirais, mais c'était un Aoussa. C'est que si un vieux comme ça, il avait porté un boubou. Vous voyez les boubous des boutiquiers, là. Qui sont dans leur boutique, là. Donc, il s'approche de nous, il s'approche de l'enfant. Il regarde l'enfant, il fait la main comme ça. Bon, moi j'ai juste pour m'amuser. Après, il met la main dans la poche dans son boubou et puis il enlève 100 francs. Et puis il est en train de parler doucement quand il enlève l'argent. Et il veut donner à l'enfant, les 100 francs à l'enfant. L'enfant, c'est un enfant. Donc lui aussi, il tenait sa main. En même temps, d'ici la pièce va toucher, d'ici la pièce va toucher les doigts de l'enfant, j'ai bondi sur l'argent. Et j'ai récupéré l'argent. J'ai récupéré les 100 francs. Et lui et moi, on s'est regardé dans les yeux. Il a su que quelque chose s'est passé. Il a su qu'il n'avait pas affaire à une personne simple. Et quand il a donné d'eau, j'ai jeté l'argent dans le caniveau. Quand j'ai jeté l'argent, il a su. Il a su immédiatement que j'avais jeté l'argent. C'est comme s'il a senti. Il a tourné du regard pour me regarder. Et il a pris la route, il est parti. C'était pas simple. Ne laissez pas n'importe qui donner l'argent à vos enfants dehors. Ne laissez pas n'importe qui prendre vos enfants dehors. Ne laissez pas n'importe qui jouer avec vos enfants dehors. On est dans un monde, tu n'es pas spirituel. On te vole tout. Tu n'es pas spirituel. On détruit tes enfants. Tu n'es pas spirituel. On change la destinée de ton enfant. En un clin d'œil. Et l'enfant grandit, l'enfant devant n'importe quoi dans tes mains.